Bonjour à tous, bienvenue sur La Marco Immobilier, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier. Dans ce troisième épisode d'une série dédiée au métier du marchand de biens, nous allons voir quelles sont les opérations que ce marchand de biens est amené à réaliser avant de revendre un bien pour dégager un bénéfice maximum. D'abord, je voudrais dire que le marchand de biens est un acteur important du marché immobilier par le fait qu'il améliore le parc immobilier par les rénovations qu'il est amené à faire. Ces rénovations peuvent être de nature simple, il peut s'agir de travaux légers qui portent soit sur les parties communes, soit sur les parties privatives de l'immeuble qu'il acquiert. Comme un coup de peinture ou du nettoyage. Ça peut être aussi des travaux de remise aux normes pour mettre aux normes à la dernière réglementation les ascenseurs. Ça peut être une rénovation énergétique. Suite aux différents diagnostics qui sont obligatoires, il peut être amené à traiter les problèmes d'amiante, de plomb et de termites. Il peut aussi créer des salles de bain, enlever des baignoires pour mettre des douches, pour être un peu plus écologique. Aujourd'hui, les douches sont plus à la mode que les baignoires, ce qui n'était pas le cas dans la génération précédente. Il peut créer des toilettes, il peut diviser des pièces, il crée des parkings, il peut créer des espaces verts. Voilà, et ou tout simplement, il peut créer un nouvel usage. S'il achète un immeuble de bureau, il peut les transformer en immeubles d'habitation, si toutefois il a les accords nécessaires. Ça, on le verra aussi. Alors attention, si le marchand de biens crée des nouvelles surfaces, là, on est dans une opération de construction. Et on va le voir, les réglementations en matière de construction ne sont pas les mêmes que les réglementations en matière de rénovation. Le marchand de biens peut aussi réaliser des prestations d'arbitrage locatif d'un bien immobilier, c'est-à-dire quand il achète un immeuble, disons, vide, il peut le louer, procéder en fait à la mise en place de locataires pour le revendre complètement loué à un investisseur qui est intéressé par le revenu locatif du bien. Ou alors il peut au contraire rompre les baux existants pour le revendre vide ou pour le revendre après avoir réalisé des travaux de rénovation. Donc c'est ce qu'on appelle des arbitrages. Alors, les opérations de marchand de biens se déroulent la plupart du temps sur des immeubles anciens, dont l'état nécessite souvent des travaux qui vont du simple entretien aux véritables travaux de reconstruction. Il est bien évident que pour vendre à un meilleur prix, le marchand de biens va être appelé à réaliser ce type de travaux. Alors, ce type de travaux est couramment appelé rénovation ou réhabilitation. Mais on parle plutôt de rénovation, plutôt que de réhabilitation, dans le monde des marchands de biens. Et cette rénovation peut poser des problèmes, car à mesure que les travaux prennent de l'importance, ces rénovations vont approcher de la frontière qui la sépare de la construction. La construction obéit à un autre droit spécifique. Et en résumé, donc, la difficulté tient au fait de savoir si, dans une opération de marchand de biens, le marchand de biens va être soumis au droit de la vente d'immeubles à rénover, ou s'il doit en plus respecter les différentes réglementations qui s'appliquent en matière de la construction. Alors, les domaines qui amènent des difficultés sont l'urbanisme, les réglementations de la vente d'immeubles à construire et à rénover, la garantie du défaut de la chose vendue et le respect des normes. Un marchand de biens peut également être amené à vouloir surélever le bien qu'il a acheté ou procéder à des travaux d'affouillement, c'est-à-dire des travaux qui vont creuser le sol afin de mettre en sous-sol des pièces habitables. Si l'immeuble est placé sous le régime de la copropriété, il devra alors se rendre propriétaire des droits
de surélévation. Ces droits constituent des droits accessoires aux parties communes, sauf dans le cas d'une clause particulière qui rattache ces droits à un lot privatif. Le marchand de biens qui voudra utiliser ses droits pour construire des locaux privatifs au-dessus du dernier étage ou dans le sous-sol d'un immeuble doit les acquérir auprès du syndicat d'immeubles. Le marchand de biens, avant de procéder à des travaux, doit acquérir un certain nombre de permis. C'est ce qu'on appelle les autorisations administratives avant travaux. Alors, il y a déjà, si l'opération de rénovation nécessite la démolition d'une partie des bâtiments, il y aura lieu d'obtenir un permis de démolir. Le permis de construire, quant à lui, est exigé pour les travaux qui sont exécutés sur des constructions existantes, ainsi que pour les changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. Alors, ces travaux qui nécessitent un permis de conduire sont limitativement énumérés et ont pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à 20 mètres carrés, la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à 40 mètres carrés dans les zones urbaines avec PLU, donc le PLU c'est le plan local d'urbanisme, la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à 20 mètres carrés et inférieure ou égale à 40 mètres carrés si la surface totale de la construction résultant est supérieure à 170 mètres carrés. Ou encore de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination. Les travaux exécutés sur des constructions existantes, quand ils ne nécessitent pas l'obtention d'un permis de construire et qu'ils ne sont pas des travaux d'entretien ou des réparations ordinaires, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Là encore, ces travaux sont énumérés. Il s'agit des travaux de ravalement, des travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur du bâtiment, des travaux effectués à l'intérieur des immeubles dans les secteurs sauvegardés, dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ou a été mis en révision, les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément que le PLU, dont je rappelle que le PLU est le plan local d'urbanisme, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager. Les travaux ayant pour effet, dans une commune non couverte par un PLU, de modifier ou de supprimer un élément que le conseil municipal a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager. Les travaux ayant pour effet la création d'une emprise au sol ou de surface de plancher supérieure à 20 mètres carrés. De même, travaux réalisés dans une zone urbaine avec PLU ayant pour effet la création d'une emprise au sol ou de surface de plancher supérieure à 40 mètres carrés, dès lors que la surface ou l'emprise totale de la construction est inférieure à 170 mètres carrés. Ou enfin, les travaux effectués lors d'un changement de destination, s'ils ne modifient ni les structures porteuses, ni les façades du bâtiment. Les travaux de faible importance, bonne nouvelle, sont dispensés de toute formalité. Les travaux entrepris par un marchand de biens quand il découpe un immeuble relèvent de plus souvent soit de la réglementation des déclarations préalables, soit à aucune réglementation car la nature des travaux a pour objet la remise en état des futures parties communes de la copropriété, sans toucher à la structure de l'immeuble. Pour de tels travaux, le permis n'est donc pas nécessaire. Alors maintenant, on va parler des secteurs sauvegardés, qu'on appelle le site patrimonial remarquable. Le fait qu'un immeuble soit inclus dans un site patrimonial remarquable entraîne des contraintes particulières.
les demandes de permis de démolir, les demandes de permis de construire, de démolir ou à déclaration préalable doivent faire l'objet d'un accord préalable, éventuellement assorti de prescriptions de l'architecte des bâtiments de France. Si celui-ci constate la non-conformité des travaux au plan de sauvegarde, le permis de construire va être refusé. Sont concernés par ces autorisations d'urbanisme tous les travaux ayant pour effet de modifier l'état des immeubles. Alors évidemment, ne sont pas concernés les travaux d'entretien et de réparation. En contrepartie, ces propriétaires qui réalisent des opérations de réhabilitation à l'intérieur de sites patrimoniaux remarquables bénéficient d'avantages fiscaux. Ils peuvent en effet bénéficier d'une déduction du coût des travaux sur leur revenu global. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi. Retrouve-moi sur Instagram à Lamarco Immobilier et like la vidéo. À bientôt!